Ce matin, on va essayer d'aller où? Non, on n'est pas venu pour rien, regardez combien on est. Non, on va tout vous bloquer là. On va se mettre là-haut sur la nationale et on va bloquer toute la route. Vous savez bien après que vous allez vous mettre en porte-à-faux par rapport à beaucoup de choses. On est toujours en porte-à-faux. De toute façon, depuis le 17 novembre, on est en porte-à-faux. Ça ne change pas. On est toujours en porte-à-faux. Mais ceux que vous protégez, qui sont derrière vous et qui vous donnent les ordres, ils sont encore plus en porte-à-faux que nous. Non. Vous ne protégez pas les automobilistes, vous savez très bien. Parce que nous, on leur offre la barrière gratuite, ils ne vont rien nous faire. Vous protégez un régime totalitaire, monsieur. Vous protégez, c'est la SANEF, hein, leurs bénéfices, leurs intérêts. Ça, c'est pas normal. C'est déjà pas normal. Dans l'immédiat, pas de passage. Dans l'immédiat, vous retournez tranquillement. Non, on ne va pas retourner. Vous allez partir, on ne va pas retourner. On va pas retourner. Donc vous allez rester ici. Ouais, on va peut-être avancer. Non. Ici, personne ne rentrera. On va se mettre de l'autre côté. Personne ne rentrera et ne sortira. De voiture. Ça va être un peu le bordel. Hein, dans le secteur. On se met là-bas. Personne ne sort. Ça va pas être le bordel longtemps, puisqu'à un moment donné, on va être obligé de vous pousser. Vous savez bien comment ça fonctionne. Puisque ça fait X mois que vous faites ça. Mais vous ne repoussez pas. Ça s'est toujours fait gentiment. On a eu des créneaux horaires, hein, 2 heures. Nous, on vous demande. Des créneaux horaires 2 heures. Ouais, d'habitude on disait à midi on s'en va et à midi on s'en arrive. Ça marchait comme ça, on négocie. Ouais, on est nombreux, regardez, on est 600 qui vous regardent. 600 personnes qui vous regardent. J'ai un Audimat qui était. Exactement. Aujourd'hui, soyez sérieux. Montre pas le visage. Voilà. Personne n'en veut. Voilà. Donnez-moi son nom. Bon, maintenant, forcez pas, vous faites des mots au fortement. La journée ne fait qu'en commencer. Hein. Bah, vous n'allez pas déjà la gâcher maintenant. On la gâche pas la donc, journée. Donc tranquillement. Vous êtes en train de gâcher la note. Allez. Vous allez où, vous dites là le préfet, il a dit que c'est interdit dans 13 rues à Forbach, alors on est venu sur l'autoroute. Voilà, c'est tout. Donc. Là, vous avez perturbé la circulation pendant un petit moment, c'est bien. Maintenant, je vous demanderai juste de repartir. Hein. Et puis voilà, et puis ça se passera bien. Gâchez pas la journée déjà à 10h et quelques. Il est 11h, il est. Ah bah oui, je n'ai pas l'heure, moi. À midi et demi, ça nous fait 1h30 ici. Mais si, allez, non. Ne passez pas. Allez. Ne passez pas. On va y aller. Vous passez pas. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de sérieux. Mais oui, je suis toujours sérieux. Voilà. Je trouve que c'est pas des gens sérieux, responsables. Mais vous l'êtes moins. Vous l'êtes moins. Vous êtes aux ordres. C'est pas d'être sérieux, c'est que vous êtes aux ordres. Et ça, c'est pas normal. Voilà. En plus, t'as empilé le gilet jaune aujourd'hui. Donc normalement, vous devriez être avec nous. Vous devriez nous accompagner. Moi, il y a quelque chose de marqué dans le dos qui n'est pas chez vous, quoi. Si, nous, on a marqué des trucs dans le dos. Si je prends que la fin de votre mot, vous riez. Ok, donc vous remontez. Ils ont les mêmes problèmes que nous, de toute façon. Mais là, on pense que nous, ils doivent obéir aux ordres. On peut en discuter 3 heures. Les heures sup ne sont pas payées. Allez, on avance. Allez, s'il vous plaît, soyez responsables et puis remontez. C'est bien pour ça. Ça se passera bien. Je suis le plus grand des responsables. Et ça se passera bien. Allez, on avance un peu. Allez, on recule. Et vous avez le camion après. Vous passez en tour. Vous êtes responsable. C'est trop dangereux. On ne peut pas passer à côté du camion. C'est trop dangereux. Soyons sérieux. Moi, les camions me font peur. Hein. On est entre nous, entre Français, on va pas se bousculer. Hein. Vous êtes là pour notre protection. Entre plus, citoyens français. Ah, voilà. Entre citoyens, ouais. Mais il y a des citoyens gens, de France. Il y a certains âges, il y a des gens qui sont responsables. Et tout le monde est responsable, vous comme nous. Donc voilà. Vous comme nous. Donc vous savez bien qu'il n'y a pas d'enfants. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour vous aussi. Voilà. Pour tout le monde. Alors si vous êtes là pour nous, faites demi-tour et commencez à vos véhicules. Hein? Donc je vous dis, je vous répète encore une fois, la journée qui a commencé. Soyez responsables. Faut que je filme par là, un contre-jour. $200 000 par jour. Le payage, il génère $200 000 par jour. Ouais. Quand même, aberrant. Hein. Que vous nous protégiez, nous, je le conçois, mais que vous protégiez la SANEF, je ne conçois pas. C'est ça que je ne comprends pas. Vous êtes là pour protéger les 20.